Coucou! Aujourd'hui, je vais parler en français et je vais vous parler de la partie abonnement de mon site parce qu'il y a trois nouvelles ressources. Anissayel.com pour acquérir le français naturellement. Il y a une ressource qui est sur la biographie de l'auteur français Émile Zola sur sa vie. Et vous pouvez m'écouter aussi raconter sa vie. Qui est Émile Zola? Émile Zola est un écrivain et un journaliste français. Bien sûr, vous pouvez télécharger le fichier en PDF et le fichier audio en MP3. Une autre ressource est aussi une ressource d'Émile Zola, c'est son roman Germinal. Et vous pouvez télécharger gratuitement le roman sur le site du projet Gutenberg. J'ai mis le lien pour le télécharger gratuitement. Et vous pouvez bien sûr écouter l'histoire de Germinal. Germinal. D'après le roman d'Émile Zola. Étienne Lantier est un jeune homme. Et enfin, ah oui, et puis à la fin de l'histoire de Germinal, je vous propose de regarder la bande-annonce du film qui est sorti en 1993 et le célèbre acteur Gérard Depardieu joue dans le film. Et il y a une dernière ressource qui est le script de la dernière vidéo que j'ai publiée samedi sur la Saint-Antoine. Donc il n'y a pas de fichier audio, mais vous pouvez lire le script et après regarder la vidéo qui est en bas de page ou vous pouvez regarder d'abord la vidéo sur ma chaîne YouTube et après lire le script. Et pour les suggestions de cette semaine, pour commencer lundi, vous pouvez lire une histoire courte et très facile à lire de niveau débutant, Un homme intéressant. Et bien sûr, vous pouvez écouter aussi l'audio. Un homme intéressant. Il y a un homme, il s'appelle Jean-Paul. Et je vous recommande aussi de lire, de regarder l'histoire numéro 7 de la saison 1 des vidéos sur François pour continuer d'acquérir les parties du corps. Et vous pouvez lire le script de la vidéo dans le e-book, dans le livre téléchargeable gratuitement sur le côté droit de la page, en haut à droite de la page. Mardi, c'est une histoire très drôle sur des sœurs éléphantes qui aiment beaucoup manger des cacahuètes. Le mot cacahuète est très drôle, n'est-ce pas? Les cacahuètes des sœurs éléphantes. Il y a un animal. Mercredi, une histoire sur de l'argent et sur l'addition, payer l'addition au restaurant. C'est sur un couple qui n'a pas assez d'argent pour payer l'addition. Pas assez d'argent. Il y a un homme. Il s'appelle Stéphane. Il est allemand. Jeudi, je vous propose la nouvelle ressource que j'ai mise sur le site, Germinal. Vendredi, je vous propose une histoire au cinéma, parce que c'est vendredi, c'est vendredi soir, le début du week-end. C'est sur Hugo qui va au cinéma avec sa petite amie Suzanne. Mais Hugo. bien sûr, il y a un Il y a problème. un homme. Il est grand. Il n'est pas très grand.
Il n'est pas petit non plus. Et pour le bonus du week-end, je vous propose une autre nouvelle ressource, la biographie, la vie d'Émile Zola. Et à la fin, en bas de la page, vous avez toute la playlist avec tous les fichiers audio que vous pouvez écouter n'importe où, sur votre portable aussi. Hein, quand vous allez sur mon site, vous avez accès à cette playlist et vous pouvez l'écouter sur votre téléphone portable. Et n'oubliez pas que pour acquérir le français ou acquérir n'importe quelle autre langue, vous devez comprendre ce que vous écoutez et ce que vous lisez. Alors, bonne acquisition du français. Happy French acquisition!